Euphorie généralisée sur les bourses européennes, convaincue du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne à l'issue du référendum d'aujourd'hui. Preuve de leur confiance, la livre sterling s'envole face au dollar et à l'euro, portée par un nouveau sondage Ipsos Mori donnant les pro-européens en tête avec 52% des intentions de vote. L'optimisme l'emporte de nouveau, commente cet analyste à Londres. Les marchés ont fait un très très beau parcours sur la semaine écoulée. La livre a connu sa meilleure semaine en 6 ans. Les marchés semblent tout miser sur le pronostic des bookmakers, qui donne peu de chance à un Brexit, et le confondent avec les sondages qui donnent les deux camps coude à coude. Et c'est bien là le problème. En cas de victoire du Brexit, ce sera la douche froide. C'est ce que redoute Oliver Roth, analyste à la Bourse de Francfort. L'humeur est à la stabilité ici à la Bourse de Francfort. Nous attendons les résultats du référendum sur le Brexit, mais en ce moment, les investisseurs intègrent dans leur prix un maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Tout autre résultat causerait beaucoup de dégâts demain matin. En Asie, les investisseurs ont d'ailleurs assuré leurs arrières dans l'attente du résultat en se réfugiant sur le yen et les dettes publiques, seul Tokyo restant bien orienté.